Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Waouh, quelle tristesse! Et salut à tous, c'est Sandwich et aujourd'hui on se retrouve sur The Binding of Isaac Rebirth. Alors il est sorti en 2014, hein, et oui, ça fait déjà un moment. Il y a même un jeu plus récent sur The Binding of Isaac Afterbirth, je crois. Mais nous on va se faire celui-là. Alors je vous ai laissé l'intro histoire de vous mettre dans l'ambiance. Le jeu, moi je l'ai mis en anglais, hein. J'espère que ça va pas me porter préjudice, mais ça devrait bien se passer, hein, de toute façon. Le jeu est un roguelike, et tout est généré aléatoirement, et moi je le découvre, je l'ai pas fait à l'époque, hein. Je l'ai pas fait pendant la hype, du coup on va le faire maintenant. Option, je trouve le son un peu fort, non, mais après je sais pas sur la capture comment ça range. J'ai déjà baissé le son de la capture. Ah bah full screen, voilà. Ouh, ça rame. Attendez, je vais peut-être retourner. Ça commence bien, hein. Ouais, non, c'est non, ouais. Voilà, c'est vachement plus fluide. C'est bien ce que je me disais en fenêtré. Le jeu est plus fluide. Là, ça ramait. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Run. Bah, écoutez, new run. Directement, on y va. Où am I? Bah, écoutez, c'est The Binding of Isaac. Je pense que je vais prendre Isaac, hein. Et on va le faire en normal, hein. Yes. Alors, du coup, quelles sont les touches? Ok, attendez, je passe en QWERTY. Voilà. Par contre, du coup, la souris ne marche plus. La loose. Attendez. Il y a 2 secondes, je pouvais tirer. Move, attaque, ouais. Je ne peux plus attaquer. Ah non, mais d'accord, ça va se jouer. C'est pas la souris. Alors je vais la dégager. Voilà, les bombes. Bombes, c'est quoi?
J'arrive pas à voir. Ah ouais, c'est pas grave, on va faire ça sur le tas. Allez hop, c'est parti. Oh la vache. Putain, ça va être chaud. Putain, j'aurais préféré nettement à la souris. Parce que là... il paraît qu'il y a des passages secrets, alors on va essayer. Qu'est-ce qui pourrait être... J'ai pas vu la touche, c'est le problème. Attendez, je vais remonter. Bon, ouais. Aïe aïe aïe. Ouais, ça commence bien. j'essaye un peu tout ce qui... Ah, c'est bon, j'ai trouvé, c'est eux. C'est la touche E, bien sûr. Ah bah non, je pensais que c'était une fissure. Ah, il va me falloir un temps d'adaptation, c'est pas évident. Hein. Alors, il est possible que je meure, hein. Il y a même de fortes chances que je trépasse. Mais bon, ce sera le jeu, hein. Putain, je suis déjà un boss. Oh, mais je vais mettre un temps infini pour le tuer là, non? Cela dit, s'il a que ce pattern là, ça n'a pas l'air d'être trop complexe. Oh la vache! Ah, si par contre ça accélère un petit peu, j'ai l'impression. C'est pas très sympa de vomir sur les gens. Hein. Cette esquive. Alors vous allez sans doute entendre les touches de mon clavier. Hein. j'aurais peut-être dû mettre la manette, mais c'est un contrôleur, c'est un Thrustmaster. Et il galère à être reconnu, pris en charge et tout, enfin, c'est un peu la mort. Et j'en ai pas d'autres manettes. Là c'est pas super ce que je fais, je galère un petit peu. Ah. Pas mourir si près du but. Se passer. C'est bon. Yes. Ok. Kizaku. Je comprends pas trop. Ça me change d'arme ou... Eh bien, allons-y. Je sais pas trop ce que ça m'apporte. Piège.
suis désolé, mais là j'ai l'air complètement con. Je sais pas ce que je dois faire. Ça sert à quoi? F. Ah non, F c'est plein écran. D'accord. X c'est... Tears down. Comme ça, hein, peut-être qu'il se passera quelque chose un peu plus tard. On va monter, tiens. Le chercher. Qui me l'est. Oh le piège. Oh le piège à con. Ouais, j'ai été tué par ça. Item. Ouais. Ok, attendez. Option. Non, c'est pas marqué, hein. Ça aurait été trop simple. My stuff. Du coup, là, c'est le boss. D'accord. Je suis un peu perdu. Non, 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 non. Ouf, je l'avais pas vu. Ah, yes. One key. Wow. Ça, c'est dégueulasse quand même le machin. Alors, c'est qui le patron? 5 cents. J'ai pas d'argent, moi. Non, c'est... Attendez, ça donne quoi? Item? Rien du tout. Je vais me faire défoncer là. Hein. Ok. C'est quoi la grosse pièce? Ah ouais, d'accord. Ok. Les petits sont plus résistants que les gros, quoi. Thank you.
Alors j'ai perdu mon item du coup, j'ai l'impression. Je crois que j'avais 4 cœurs juste avant. En fait, j'ai l'impression que je recommence au fait tout à zone. Oh la vache! Ben non, mais c'est chaud là. Wow! Ah oui, mais tu vas un peu trop vite pour moi. Ah oui, mais ah! Oh! Ça va pas être évident comme je le sens. Bon. Ça, ça doit être un bonus parce que je suis complètement mauvais, c'est ça. Vous êtes déjà tous en train de vous moquer de moi. Bon, bah, il n'y a qu'un passage. Ça paraît évident. Je la joue comme tout à l'heure. Depuis, ils sont cru intéressant de mettre des rochers pour vous empêcher de tourner en rond. Ah, cela dit, ça les bloque un peu. Hein. On va la jouer safe. C'est pas la meilleure façon de jouer, hein, je sais bien. Mais au moins ça passe. Sans trop de soucis. Qui sait, avec un peu de chance, on aura peut-être au boss full life. Même si ce boss-là est chaud comparé à celui de tout à l'heure, enfin. Si le milieu de la pièce, qu'est-ce que vous voulez? C'était pas un boss en plus. Ah mais c'est un ennemi. Oh. C'était juste un petit mob comme ça, mais semblerait que non. Il voulait ma peau. Ah d'accord. On va tous se les faire comme ça, voilà. On va se faire tous les bousins. Hein. Comme ça, on aura un peu de vie. Yes. Alors, je vais fouiller un petit peu. Parce que je le sens moyen. Les pires ennemis du monde. Du coup, c'est quoi ça? Ok. Ok. Il semblerait que je l'ai acheté. Hein. C'était quoi ça? On ne saura pas.
Attendez. Ouais. Là, ça me dit. Je vais essayer. Oh, c'était que ça. Ah, c'est celui qu'on a eu tout à l'heure. Bon, on devrait y arriver du coup. Oui, ça n'a rien à voir entre ce mob là et l'autre. Bah, celui-là est lent. Et en fait, plus vous restez assez loin, hein, ça passe quoi, c'est pas. Ça pète les doigts. Au clavier, je vous assure. Yes, easy. Ah bah non, je suis full en vie. Qu'est-ce qui... Bon ben... C'est bon, on était en train de me chier dessus. Eh ben écoutez, on va se quitter là pour ce premier épisode. Hein. Ouais, on va les faire court cette fois-ci. Hein. Et cette fois, je le ferai vraiment. En plus, là, ça fait une bonne transition. On vient de terminer le premier boss. Eh ben écoutez, on se retrouve pour la suite dans le prochain épisode. Eh ben salut à tous, c'était Sandwich.